voyez ça? Ça, c'est pour fermer. Voilà, c'est pour fermer, mais c'est en aucun cas pour sécuriser un véhicule. Les poignées de porte. Alors là, ici, nous avons qu'un point de fermeture. Voilà, il y en a deux. Hein. Il y en a qui en ont deux. Et là, il n'y a qu'un point de fermeture. Mais ça, en aucun cas, un voleur, il en a pour. Allez, je vais vous dire 10 secondes à ouvrir la porte. Pareil pour les portes de soute. Alors, les portes de soute, c'est pareil, c'est le même type de verrou, hein, parce que c'est la même clé. Hein. Vous voyez les clés, que c'est, hein, c'est les clés de ce genre-là. Donc vous ouvrez. Et nous, chez Detlef, les soutes sont avec deux points de fermeture. Mais ça n'empêche pas que, regardez, ça, c'est du plastique. Parce que ça, c'est pareil. Hein. C'est la même clé. Hein. Là, c'est la même chose. Ça s'ouvre. Pareil, il y a un point de fermeture, on n'en parle plus. Hein. Ça s'arrête là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, en France, on sait, enfin en France, quand les constructeurs camping-car, ils savent fermer un véhicule, ce qui est tout à fait normal, hein, on ne va pas leur jeter la pierre, hein, ils savent fermer un véhicule, mais ils ne savent pas sécuriser un véhicule. Ça, c'est voilà, c'est tout à fait normal. Quand on vend un véhicule, il y a des fermetures, des serrures, mais bon, voilà. Malgré, même si vous avez une serrure, comment ça s'appelle, une porte avec deux points de fermeture, c'est pas les barillets et tout ça, hein, comme vous avez pu voir, je vous ai montré là, c'est pas ça qui arrête, hein. C'est pas ça qui arrête le truc, un tournevis dedans, clac, ça tourne, ça ouvre, et terminé, on n'en parle plus. Donc, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? J'ai contacté un monsieur qui est basé, qui a une entreprise qui est basée dans le département 42, plus précisément à Andrézieux-Boutéon. Ce monsieur, il a déposé des brevets européens sur des verrous. Donc pour sécuriser vos portes de soute, portes de cellules, portes de conducteurs, même sur les profilés également, hein, profilés intégraux, tout ça. Il a une multitude de produits. Ces produits, c'est des produits très techniques, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont fabriqués chez lui, dans le département 42, qui sont traités chez lui, avec des verrous anglais. Des verrous haut de gamme. Ces réalisations, c'est vraiment quelque chose de très professionnel et très sécurisant. Donc, j'ai contacté ce monsieur parce que moi, je voulais sécuriser les portes de soute. Hein, bah, à l'époque où on est maintenant, quand le camping-car est posé à un endroit et qu'on part se balader, on ne sait jamais quand on va rentrer ce qui va se passer. Si jamais vous retrouvez votre véhicule ouvert, pour vous voler quoi? Rien, parce que dans un camping-car, bon, enfin rien. Si vous avez des vélos électriques, on vous pique les vélos électriques. Si vous avez une station d'énergie, on vous pique la station d'énergie. Si vous avez un ordinateur, un appareil photo ou quoi que ce soit, bah, on vous vole ce qu'il y a à voler dedans. Donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Les verrous traditionnels, j'en avais sur notre premier camping-car. Des verrous moulés que tu peux fermer que depuis l'extérieur. Enfin bon, c'était pas terrible. Au bout d'un moment, ça cloque, la peinture se met derrière. Enfin, c'est pas terrible. Ça, c'est vraiment du truc professionnel, vraiment super bien réalisé, traitement anodisé. Enfin bref. Donc ce monsieur s'appelle Eric Perrichon. Il a créé donc IMC Création. Il a beaucoup de revendeurs chez les professionnels. Donc, je suis persuadé que votre concessionnaire de camping-car connaît la société IMC Création, parce que c'est souvent ce qui vous installe. Hein.
Et puis, ben, donc j'ai contacté ce monsieur et je suis tombé sur quelqu'un de passionné au téléphone. Son entreprise, vraiment, il m'a, d'ailleurs, il m'a bien dit, hein, n'importe qui peut passer me voir, je leur expliquerai tout, je leur montrerai la fabrication de mes verrous, il n'y a aucun problème. Et il m'a même dit si quelqu'un a des renseignements, veut en savoir sur plus sur mes verrous, sur quel type de véhicule ça peut se monter et tout ça, il est disponible au téléphone sans problème. Donc c'est quelqu'un qui a une conscience, une super conscience professionnelle. Enfin moi l'approche que j'ai eue avec ce monsieur au téléphone, on est resté un bon moment, et il m'a dit je suis très content que vous me contactiez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les verrous, pour les poser, tout ça. Alors, naturellement, pour ceux qui ne se sentent pas, hein, vous pouvez très bien les faire monter chez votre concessionnaire, eux ils ont l'habitude. Et puis pour les plus aguerris, hein, ceux qui savent se servir d'une perceuse, d'un mètre, et puis voilà, hein, une petite clé, il n'y a pas de problème, on va passer au montage. Donc en fait, il a plusieurs, naturellement, il a plusieurs modèles de produits suivant vos véhicules. Les principaux des verrous de soute, alors il y en a, vous voyez juste le barillet. Moi je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas pu mettre cela. Il m'a dit on ne peut pas les mettre, mais j'ai un autre modèle qui va convenir. Vous avez les verrous de porte-cellule et de porte-conducteur également. L'avantage de ces verrous à ce monsieur, c'est que vous pouvez verrouiller de l'extérieur et de l'intérieur également. Donc ça c'est très important, parce que quand vous êtes dans le véhicule, si vous voulez verrouiller votre porte, ben vous la verrouillez depuis l'intérieur. Ça, c'est important. Donc, on va passer déjà pour commencer au montage des verrous de soute. Et après, on passera un peu plus compliqué au verrou de la porte-cellule. Moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que il n'y a pas beaucoup d'espace là pour passer la manette de verrouillage intérieur. Mais après les photos que j'ai envoyées, il m'a dit il n'y a pas de problème, ça se fait, il n'y a aucun problème. Voilà, hein. Donc les deux modèles de verrous, je vais vous en ouvrir un. Tout est expliqué, c'est vachement bien fait. Il y a un petit fascicule pour le montage. Vous avez des vidéos qui sont sur sa chaîne YouTube. On voit tout de suite quand on les prend dans la main que c'est de la super qualité. Voilà. On voit tout de suite. Voilà. Les fameux verrous anglais avec les clés bien spéciales, hein. Alors autre chose que je dois vous informer également, si vous commandez tous les verrous de votre véhicule, moi ici il y en a quatre, donc j'ai deux portes de soute, la porte conducteur et la porte cellule, vous aurez une clé unique pour tout, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une clé par verrou comme il y en a beaucoup qui font. Vous vous retrouvez avec un jeu de clés, un porte-clé comme ça. C'est la clé de la porte de la soute gauche, la porte de la soute droite, enfin bon, la porte de la cellule. Là, clé unique. Alors naturellement, vous êtes fourni 4 clés avec ça. Donc ça, c'est super. Les pièces de 1. Super traité, anodisé pour ceci. Moi, je les ai pris. Vous avez deux coloris. Vous avez couleur aluminium et couleur noire. Moi, j'ai pris couleur noire pour que ça rappelle les portes, les poignées de porte qu'il y a d'origine sur le véhicule. Mais vous pouvez très bien prendre couleur aluminium. Hein. C'est traité aussi. Aucun problème, ça c'est gravé, IMC réalisation. Donc encore une fois, entreprise française, haute qualité, breveté européen, et quelqu'un de passionné. Allez, c'est parti, on attaque le montage. Alors, il faudra une visseuse, des bonnes mèches, qu'est-ce que je vais vous dire encore, un mètre, une équerre, quelques outils, hein, mais il n'y a rien de compliqué. Allez, c'est parti les amis. Bon voilà, donc je t'ai collé le papier, tu
mets ta cale. Hein. Tu mets ta cale là. Voilà. Tu traces les deux trous. Ça, c'est fait. On va percer. Et tout va bien se passer. Alors, tu ne te plantes pas avant de, percer. Tu vérifies bien tout. Hein. Que à l'intérieur, tu aies de la place, qu'il n'y ait rien, quoi que ce soit. Tu fais pas n'importe quoi. Ceux-là, ils sont très faciles à poser pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils s'ouvrent et ils se ferment que de l'extérieur. Il n'y a pas besoin de mettre des verrous qui se ferment de l'intérieur. À moins que quand tu pars en week-end ou en vacances, tu laisses ta belle-mère dans la soute, qu'elle puisse sortir. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on perce. Donc, à une bonne mèche, hein. Pas une mèche... Là, on a passé l'aluminium. Alors, toi, si ça peut être un camping-car fibre, hein. On pue là doucement. Hein. On ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose, un passage de fil ou quoi. Donc, tu regardes bien dans le trou s'il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil. On enlève ça. Et on va passer le bois même. Donc, quand tu perces bien droit, c'est-à-dire bien tu vois, bien d'équerre avec la paroi, et en comme ça aussi, tu perces pas tout travaux comme ça, hein. Tu la mets bien droit, parce qu'après tu vas avoir des problèmes. Donc c'est pas la peine d'appuyer, hein. Tu vas tout doux, on fait le deuxième trou. Voilà, on va voir à l'intérieur. Qu'est-ce que ça a donné? Voilà, tu te retrouves avec tes deux petits trous là, avec un peu de poussière partout. Donc maintenant, on va faire un montage à vide. Hein, c'est quand même mieux. Pour savoir si tout va bien. Donc tu mets les deux vis prévues à cet effet. Tu mets ta cale dans le bon sens. Tu vois, il y a un arrondi. Hein. C'est super bien fait. Il y a un arrondi d'un côté et un plat de l'autre. Tu enfiles ça là-dedans. Voilà. Ensuite, derrière, tu mets... Donc, c'est pour ça que je te disais que il faut bien que tu perces droit. Hein, parce que si tu perces, si tes vis sont toutes travioles, c'est sûr que là, ça va être la galère pour toi. Hein. Donc, tu montes à vide comme ça. Ça. Voilà. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre le peigne. Donc le peigne, il s'enfile, tu es d'accord avec moi, il s'enfile de l'arrière. Donc moi, c'est pour ça qu'il faut que je mette la cale. Parce qu'après, avec ça, avec la bordure ici, là, je peux plus enfiler le peigne. Et c'est, tu comprends, c'est en retrait. Et puis, si je mets pas la cale, j'ai mon peigne qui frotte ici, hein, sur le cadre de porte. Donc voilà. Donc ici, maintenant, mon peigne coulisse. Donc en montage à vide, tu prends les clés, hein, ferme ta porte, position fermée, voilà, donc là, bah, sécurisé, position ouverte, voilà, je sais plus où elle est la position ouverte, hein. Parce que là, j'ai pas mis la butée, hein. Donc en fait, je vais peut-être pas pouvoir... Je sais pas exactement où elle est peut-être après là. Non, ouais, bon, faut mettre la butée derrière. Donc là, on va pas la mettre parce qu'il va falloir que je redémonte pour enlever le scotch et mettre un peu de sika. Je redémonte, j'enlève le scotch, je vais mettre un peu de sika dans les trous et après on serra, montage définitif. Donc on enlève ça. Hop. Tu vois, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est pas la peine d'être chef mécanicien dans l'aéronautique pour poser ça. Hein. Je prends du Sika. Du Sika 522. Hein, Sika habituel, là. J'en mets un petit peu ici, là. Autour des vis, là. Voilà. De l'autre côté, pareil, autour des deux vis.
Hop. Ça, c'est bon. Tu positionnes. Voilà. Le Sika, il va venir appuyer. Hein. Comme ça, ça ne pourra pas rentrer. La plaque arrière. Les deux écrous. Et je dois te dire une chose. Tu serres pas les écrous là, hein, ici, comme un demeuré. Ça, je le dis à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi tu serres pas comme un demeuré? Parce que les parois, tu sais, c'est des. T'as soit de la fibre d'un côté et bois de l'autre, ou soit aluminium comme ici et bois de l'autre. Si tu serres, ça va écraser ta paroi. Donc faut, c'est pas la peine de serrer comme un débile. Hein. C'est pas la peine. Donc moi, vu que ça passe juste avec là. Avant de serrer complètement, j'enfile, voilà, le peigne un petit peu. Comme ça, ça me fait un peu une cale. Et je serre un petit peu. Je mets une clé de 13 derrière. Voilà, pas trop serré. Tu serres celle du haut. Alors, si tu es d'accord avec moi que si tu serres celle du haut, après, il va falloir que tu retournes à celle du bas. Parce que me serrer très fort, ça ne sert à rien. Ensuite, le peigne, il coulisse, tout fonctionne bien. Maintenant, nous allons pouvoir mettre bon, la BTR qu'il faut, la clé BTR qu'il faut. On va mettre l'arrêt, la butée. Alors, moi, je la mets sur le premier cran, parce que ça ne sert à rien. Puis, deuxième cran, pour que ça aille plus loin là-bas, ça, je vais te montrer pourquoi. Ça ne sert pas à grand-chose. Tu serres la butée. Maintenant, ton peigne, voilà, il peut plus reculer, il coulisse bien. Tu vois ma butée là, la butée elle est là. Si tu voulais la mettre sur la deuxième butée, ton peigne il irait plus loin. C'est pas la peine. Tu vois, regarde, j'ai le joint là. Donc je fais ça. Là, t'es en position fermée, la porte ne s'ouvre plus. En position ouverte, tu remets la clé, tu vas derrière, et voilà, et là, position ouverte. Voilà, le verrou est fait. Donc voilà comment se présente un verrou porte-cellule. Alors donc c'est un verrou qui s'ouvre et qui se ferme de l'intérieur et de l'extérieur, bien sûr. Ça c'est le brevet qu'a déposé Eric, brevet européen, bien sûr. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. C'est très simple. Voilà ce qu'il y a dans le blister, hein, dans la boîte. Donc, vous prenez déjà le peigne. C'est simple. Vous prenez le verrou. Vous mettez dedans. Vous avez deux vis fournies. Voilà. Hein, je sais pas. C'est le cache du barillet. C'est... c'est fileté là, donc vous mettez ça en face, hop, on va serrer ça. Voilà, maintenant c'est serré. Ensuite, vous pouvez bien entendu maintenant glisser, voilà, hein. C'est comme ceci. Ça c'est la cale, si vous en avez besoin, qui va venir sur le... sur la paroi du véhicule ou pas, hein, ça dépend, hein, si vous devez rattraper une épaisseur ou pas. Ensuite, l'ouverture intérieure avec cette tige, avec le pignon, avec un ressort, ne pas oublier le ressort. Vous mettez le ressort comme ça. Le ressort vient ici. Vous appuyez. Bon, là, j'ai ressorti le peigne. Voilà. Donc maintenant, voilà, avec le ressort, ça va se mettre automatiquement dedans. Voilà. Bien entendu, là, c'est un montage à vide. Hein. Là, à l'intérieur, vous avez les deux vis qui vont traverser la paroi avec la tige. Hein, donc les deux vis. Et à l'intérieur,
vous allez avoir ceci. Voilà, les deux vis sont comme ça. Ça va être fixé pour maintenir le support du peigne et faire faire écrou à l'intérieur. Ensuite, depuis l'intérieur, vous allez avoir la manette. Donc la manette se fixe comme ça. La manette se serre avec la vis qui est prévue pour. Donc on l'enfile au fond. Voilà. Alors après, cette manette, bien sûr, est réglable. Hein. Voilà. Donc là, vous êtes comme ça, si vous voulez. Hein. Et au milieu, vous avez la paroi. Ensuite, pour venir verrouiller tout ça, vous allez avoir une plaque. La plaque qui va venir ici. Donc là, vu que c'est verrouillé, il faut que je tire un petit peu. Voilà, comme ça. Cette plaque-là, elle va venir verrouiller tout le verrou. Hein. Donc vous, ça, c'est la dernière, c'est le dernier élément que vous allez poser quand vous aurez fini. Hein. Une fois que votre peigne sera ouvert, du côté dans le vide, hein, vous laisserez la porte ouverte, et vous viendrez mettre les deux dernières vis ici. Voilà. Et ensuite, le fonctionnement du verrou, c'est très simple. On tire, on déverrouille. Alors là, j'ai la plaque, hein, elle n'est pas fixée. Hein, mais voilà, si vous voulez, comme ça. Hein. Voilà, je verrouille, je déverrouille avec ma petite manette. Et autrement, il revient en position automatiquement verrouillée. Donc maintenant, on va procéder au montage de la porte conducteur. Alors, vous avez... Eric peut vous renseigner aussi sur le type ou éventuellement votre concessionnaire, hein, si c'est lui qui va les monter. Vous avez deux types de peignes, vous avez des longs et des courts. Alors lui, il préconise des longs pour les porte-cellules. Pourquoi ? Parce que les porte-cellules ont un gros cadre de porte et souvent ils ont un gros joint. Donc en fait, le peigne est plus long. Je vais vous montrer par rapport, à la porte de cellule, celui que j'ai mis, le peigne est plus court pour la porte cellule. Il peut arriver aussi que pour votre porte cellule, vous devez monter un peigne long hein, également. Ça, c'est une référence qui est différente des autres. Il a plusieurs références, il a plusieurs types de verrous. Faut aller voir hein, sur son site, c'est vraiment très très bien. Je vous mettrai tout ça en description. Voilà, je vais vous montrer la différence de longueur du peigne. Voilà la différence de longueur des peignes, vous voyez, peigne long. Peigne court. Pour la porte cellule, moi j'ai pas eu besoin de mettre un peigne long. Si vous voulez mettre un peigne long, vous mettez un peigne long. En fait, le montage est le même. Pour le support, il y a juste le peigne qui change, c'est tout. Hein. C'est le même verrou, c'est le même support verrou, c'est la même tige, c'est tout pareil. Sauf que voilà, la longueur du peigne. Hein, si on le met là, vous voyez, il y a quelques centimètres en plus. Donc pour ce faire, vous n'aurez pas besoin de un garage entier d'outils, un réglet ou alors un mètre, une équerre, un crayon, des clés BTR, une perceuse avec une mèche de 9 mm, 9-1, 9-2, hein, comme vous voulez. Moi, je prends du scotch de carrossier. Pour mettre avant, hein, pour le perçage. Allez, on va procéder au montage de la porte conducteur. Donc là, bien entendu, il vous faut vérifier à l'intérieur si vous avez la place. Hein. Alors ici, là, on a carrément de la place. Alors, dans les portes... dans les portes cellules, c'est pas pareil. Hein. Vous avez toujours moins de place. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit une équerre. Quand vous êtes, suivant la place que vous avez derrière, il faut mesurer. Donc, vous mettez la plaque comme ça, hein. Le cadre bien comme ça. Voilà, ça plaque bien avec l'équerre. Vous prenez
1 mètre. Voilà, vous venez en appui ici, vous mesurez avec l'axe. Moi, je ici, là, actuellement, je suis à 6,5, pour être plus précis. Voilà, si je suis précis, là, hop. Ouais, je suis à 6,5. Donc, mon axe de trou, je suis à 6,5. Maintenant, c'est à vous à reporter ici. Regardez si à 6,5, voilà, je me mets à 6,5 ici, là, si vous avez la place derrière pour mettre la fixation intérieure, hein, l'écrou intérieur. Voilà. Donc ici, le problème ne se pose pas parce que là, j'ai, pour être franc, j'ai 16 cm. J'ai 16 cm, donc là, moi, c'est pas le problème, je peux le fixer. Mon support de peigne, je peux le fixer. Et là, contre le cadre de porte, il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai la largeur. Alors, il est possible de faire un montage à cheval sur un cadre de porte, suivant la longueur que vous avez disponible derrière. Hein. Comme moi, la porte cellule, c'était vraiment, ça se jouait au millimètre. Hein. Voilà, donc il est possible de faire un montage entre deux. Alors, bien sûr, la cale, vous n'allez pas la mettre comme ça. Si vous devez faire un montage du support de peigne à cheval, comme ça, il vous faudra couper la plaque, hein, pour que la plaque vienne à fleur, comme ça. Donc, vous prenez votre côte et vous couperez la plaque. Ça fait que votre support aura un appui sur le cadre de porte et sur la plaque, les 4 mm, si vous voulez, comme ça. Donc voilà, ça va rattraper le jeu. À vous à savoir l'épaisseur du cadre avec les plaques, avec la plaque hein, qui va dessous, en fonction de son épaisseur, bien prendre la bonne plaque. Nous ici, c'est pas le problème. On va pas mettre de plaque du tout, parce que moi, le cadre de porte, il est pratiquement, il doit y avoir 3 mm. Donc en fait, mon peigne coulisse complètement et ne touche pas ni le cadre de porte et ni la porte. Alors, si vous avez des portes à débordement un petit peu, bon bah c'est sûr que vous serez obligé de mettre des cales. La cale, pour moi, ici, elle va se servir uniquement en gabarit pour percer. Allez, on va mettre un petit peu de scotch là. On va noter la hauteur, parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la hauteur. Hein. Et puis ensuite, on percera, on fixera, on mettra tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai défini la hauteur. La hauteur de mon support de peigne. Hein. Maintenant, je vais prendre la plaque. Je pose la plaque. Voilà. Avec ma hauteur, comme ça, je trace les trois trous, parce que là, elle va se fermer depuis l'intérieur, elle peut se fermer depuis l'intérieur aussi, comparé aux verrous de soute qui, eux, se ferment uniquement depuis l'extérieur. Donc, j'ai tracé mes trois trous, là. Hein, voilà. J'ai plus qu'à percer. Derrière, j'ai la place, là, il n'y a aucun problème. J'ai plus qu'à percer et ensuite on fera la fixation de tout ça. Allez, on perce. N'ayez pas peur de percer votre véhicule. Donc voilà, nous allons percer les trois trous. Maintenant, nous allons mettre le verrou, enfin, faire un montage à vide, et après on fera un montage définitif. Donc on va faire un montage pour voir si les trous correspondent bien. On prend les deux écrous. On met les deux écrous, enfin les deux vis, pardon, c'est pas des écrous, c'est des vis.
On met les deux vis. La tige avec le pignon et ne pas oublier le ressort, bien sûr. Si vous n'avez pas de ressort, ça fonctionne pas. Enfin, ça va fonctionner, mais ça va être galère. Donc là, le peigne, un filet de peigne comme ça. Voilà. Voilà, derrière, on a la tige qui va venir comme ça avec les vis. Alors, tout s'ajuste comme il faut. Serré pas trop fort, hein, juste pour un montage à blanc. Voilà, le peigne, il est inséré. Donc là, vous êtes d'accord que la manette, si je la laisse là, c'est beaucoup trop long. Donc là, on va laisser un petit peu le jour, hein, pour la manette. On va pas coller la manette complètement là, parce que quand on va la retirer, quand on tire un peu, c'est pas tellement pratique. Donc je vais laisser un peu de jour derrière, juste pour passer les doigts. Donc on va la mettre à peu près ici. Donc je trace là, hop. Je vais aller couper la tige. Et ensuite on fera le montage définitif. Hein. Oui, bien voilà, j'ai coupé la tige. Et bavuré un petit peu là. Hein. Donc maintenant, on va l'enquiller dedans. Voilà. Alors là, elle force un peu. Hein. Vous avez pu voir qu'elle force un peu. Donc, c'est parce que ceci n'est pas aligné. C'est-à-dire que je l'ai serré sans la tige à l'intérieur. Donc, on va le serrer avec la tige à l'intérieur. Voilà. Ouais. Là, déjà, elle est libre. Donc, faut pas que j'oublie de remettre le ressort. Je vais remettre le ressort. Très important, hein, si vous n'avez pas de ressort. Voilà. Donc là, elle est bien libre. On va pouvoir resserrer un petit peu. Hop. Ah, elle est toujours libre. Donc c'est bon. Faut que tout soit aligné. Donc là, c'est fait. Hein. On va pouvoir mettre le peigne. Voilà, le peigne est mis. Maintenant, on va passer de l'autre côté. On va mettre la manette. Donc voilà. Donc là, c'est serré des deux côtés. Hein. Maintenant, il va falloir régler la manette. Donc là, je suis en position ouvert. Donc je vais la mettre, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en haut. Bon, déjà, je vais finaliser le montage là, en mettant la plaque ici. En mettant la plaque de fermeture. Hein. Donc la plaque de verrouillage. Avec les vis. Voilà, la plaque de verrouillage, elle est posée. Le verrou, il fonctionne. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Comme la porte cellule. Donc, je verrouille mon barillet. Là, je suis en position fermée, je tire. Position ouverte. Alors là, il est un peu raide au début. Hein. Il va falloir que ça se fasse un peu. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Au bout de 2-3 manœuvres, c'est bon. Il faut que je resserre comme il faut. Alors, je peux la mettre comme ça si je veux. Hein. Voilà. Celle-ci, je peux la mettre droite. On va serrer un peu plus la manette. Voilà. La manette est serrée. Je tire. Je suis position ouverte. Je tire. Je suis position fermée. Voilà. Alors, bien se reporter à la notice et surtout ne pas mettre de graisse à l'intérieur. Vous mettez pas de graisse là, c'est rien. Vous mettez de l'huile fine, ce que vous voulez, du VD40, tout ça. Mais Eric
préconise de ne pas mettre de graisse. Voilà. Voilà, c'est terminé. On passe à la fin de la vidéo. Voilà, voilà. Ce tuto se termine. C'est fini. Les verrous, les 4 verrous sont installés. Au niveau temps, j'ai pas mis grand chose, hein, 2 heures et demie, et j'avais pas vraiment l'habitude. Hein. Les verrous de soute, ils ont été super rapides à monter. C'était top. Le verrou de la porte chauffeur, nickel aussi, hein, il y avait de l'espace. Celui-là était un peu plus compliqué parce que dans ce type de véhicule, le Detlef Pulse, on n'a pas beaucoup sur le côté-là, mais c'est faisable, ça se fait, ça se monte, la preuve, ça fonctionne. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce, de vous abonner et activer la petite cloche. Hein. Ceux qui sont abonnés, bien sûr, ils verront toutes les vidéos. Ceux qui ne sont pas abonnés, il y a des vidéos que vous allez louper. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il y a des vidéos qui sont réservées aux abonnés. N'hésitez pas donc, si vous avez des questions, je peux peut-être y répondre. Par contre, si c'est sur un problème de compatibilité avec certains véhicules ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler Monsieur Eric Perrichon. Il se fera un plaisir de vous répondre, de dire si c'est OK, si c'est pas OK, si c'est faisable, si c'est pas faisable. Il m'a dit que il y a très récemment, il avait homologué et fabriqué des verrous pour les derniers Mercedes. Sprinter, Crafter, les Volkswagen Crafter, enfin bref, tout est prêt, la production est lancée les kits sont disponibles. Donc si vous avez n'importe quelle question à lui poser pour la compatibilité d'un véhicule à l'autre, il n'y a pas de problème, il sera un plaisir de vous répondre parce que c'est quelqu'un de très sympathique, c'est quelqu'un qui est très disponible. Et quelqu'un qui adore son métier et surtout qui le fait vraiment très très bien. Du super matériel, je vais pas vous en dire plus. Vous savez que la chaîne Phil et Fab, on vous propose pas n'importe quoi. Des trucs qui sont pas terribles, ça passe pas. Donc si on vous a fait une vidéo, si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est du super matos et que ça marche super bien. En attendant, bye bye, moi, c'est tard, je vais faire dodo. Hein. Alors... A bientôt, je vais fermer mon verrou, je m'enferme, et puis je vais aller faire dodo. Bye bye, bye bye.